Double jeu, le jeu des traversées sur la terre. Double jeu, bienvenue à la rencontre amicale de Aurillac. Double jeu, le jeu de la rencontre de l'autre. Bonsoir. Un spectacle onirique, je l'espère. On peut voir aussi plein de choses, de la luminosité. Après, les gens se racontent une histoire. À mon avis, c'est pas la même pour chaque spectateur. Mais nous, on offre de l'humanité. C'est très prétentieux, mais tant pis. On offre de l'humanité simple, avec au début de l'humain et puis après des images qui viennent agrémenter tout ça, et de la musique et de la lumière, mais c'est toujours le même sujet en fait. Ça s'appelle double jeu parce que d'abord on invite des gens à jouer avec nous. Ils ont vu le spectacle il y a 3 jours, on a répété 2 heures le lendemain, 3 heures hier, et là ils sont avec nous sur le plateau. Et déjà c'était le principe de départ d'échanger avec sur un plateau avec des gens qu'on connaît pas. Et qui veulent bien participer, voilà. Et ils sont assez incroyables parce que là, en 2 jours, ils sont avec nous et ils rentrent dans le jeu. Voilà. Salutations. Salutations. C'est un collectif qui a plus de 25 ans, qui est né, c'est des plasticiens au départ, qui ont décidé assez vite que ça soit un collectif, ça veut dire qu'il n'y ait pas de metteur en scène, que tout se discute, donc c'est plus long que dans les autres compagnies, mais au bout du compte, faut que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Après, on a tous nos personnalités parce qu'on commence à être des vieux briscards, mais le but du jeu, c'est qu'on crée tous ensemble. Avec notre savoir-faire plus le reste. Ça veut dire que dans Zur, la plupart des gens, ils font. Parce qu'ils travaillent tous à côté, dans d'autres compagnies, où là, c'est très classique. Et là, on fait ce qu'on ne peut pas faire autre part. Moi, je ne suis pas chanteur, je suis pas, je joue pas de musique, enfin, en amateur. Et là, dans Zur, je peux. Donc, c'est chouette. On me laisse j'ai le droit de le faire. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Avec une. Il y a des baleines chanteuses, des musiques anciennes, des zips du bled, des faux bifetons, des chalocs, des splines de Paris, des putes au nerf d'acier qui savent tout. Mais qui disent rien, c'est préférable pour l'idéal républicain. Mais il n'y a plus trop d'humains sauvages. Tu vois quoi? Tombe la nuit. Il y a des footballeurs pétés de thunes, des hommes politiques qui font carrière en politique, qui feraient mieux de faire de la politique. Il y a des pièces de théâtre incroyables, des marigots pleins de poissons morts, des spectacles de pin à bouche, des nuages de moustiques, des famines, des banquets de famille, des films de kung-fu, mais il n'y a plus trop de solidarité. Tu vois quoi? C'est polyforme. Les comédiens sont techniciens. Ah oui. Bah alors ça, dans le théâtre de rue, ça, jusqu'à aujourd'hui, ou il n'y a pas longtemps, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'on est tous payés pareil et tout le monde fait tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, là, ce spectacle, c'est vraiment sur les travers. C'est comme si vous étiez à un bar et que vous regardiez les gens passer. Mais sauf que vous voyagez dans plusieurs pays sans bouger de votre bar.
et dans plusieurs univers et dans plusieurs villes. Mais vous êtes toujours à votre bar en train de regarder les gens passer avec tout ce que ça comporte de des fois d'étranges, des fois de très quotidien, des fois de très qui met en colère ou qui fait sourire. Voilà, c'est vraiment. On a envie que le spectateur il vive ça en une heure et quelques. Je sais pas si je suis clair, ouais, hein, vous pouvez me dire. Moi j'ai ressenti ça comme ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Les prochaines dates alors pour la compagnie? Eh ben écoute, on ne sait pas parce que c'est les premières. Ah. Et on vient ici pour que des gens trouvent ça génial et qu'ils nous disent ouais, on a envie que vous veniez chez nous. Voilà, c'est vrai. Donc on ne sait pas. Il y a des pistes. Ouais. Parce qu'on est quand même des. Il paraît qu'on est une compagnie historique de la rue. Il y a eu ça comme article il y a deux jours. Ça fait peur, ça fait presque mal. Faut pas dire ça. Il y a des pistes. Non, je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas encore signer. Mais il y a une ou deux pistes sur des festivals de rue assez conséquents. Voilà. Après, on ne sait pas. Parce que ça peut jouer en intérieur, en extérieur. On l'a déjà joué dans des espèces de grandes salles de sport. Ça marche aussi. Donc tout est possible. On espère que ça va bien tourner. On pourra jouer avec plein de gens en plus, différents à chaque fois. Là, c'est des gens qui dansent de salon. Ouais. On a joué avec des étudiants, mais on aimerait bien jouer avec des handballeurs, des tricoteuses, des skateurs, de tout. Tout est possible. Des poissonnières, ce serait chouette. Et des poissonniers, parce que ce serait bien que ça soit mixte, mais voilà, ce serait chouette, vraiment. C'est okay. Ça le but du jeu. Bah, écoute, je te remercie. Je t'en prie. Promis. Il n'y a plus trop de révolte sauvage, tu vois quoi. Il y a des ouvriers mal payés, des collectionneurs de trucs et de bazar. Des extases violentes, des bastons bidons, des gouffres financiers, des fachos planqués, d'autres qui s'exposent. Il y a des ciels pleins d'avions, des gens pleins aux as, des gens vidés de leur essence. Il y a des ondes telluriques et des infos merdiques, mais il n'y a plus trop d'animaux sauvages. Tu vois quoi? Des mecs qui lavent leur bagnole deux fois la semaine, des déserts sans eau, des vaches à lait, des vacheries, des vaches à viande, des paix dans la soie, des tornades, des strings en panthère, des têtes de nœud, des têtes à claque, des crimes dégueulasses, des discours atroces qui pourrissent les oreilles. Il y a des enfants gâtés, d'autres font que dalle, des laissés pour compte. Et c'est des petites gens pourtant, aussi il y a des comptes en Suisse. Il n'y a plus trop de tigres sauvages. Tu vois quoi? Un homme traverse la place. Impatiemment, il attend le train. Un ado traverse sa trottinette rapidement.